Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. Je sais pas trop quand je vais pouvoir vous mettre cette vidéo en ligne, étant donné que mon PC fait des siennes en ce moment. Je pense que j'ai plus de pâte thermique, donc dès qu'il monte en température, il plante. Donc dès qu'il exporte une vidéo en fait sur mon logiciel de montage, arrivé vers la fin, poup, il s'éteint tout seul et ma vidéo n'est pas finie d'exporter, je peux pas la mettre sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc voilà, il faut que je trouve du temps pour pouvoir l'emmener voilà, en réparation pour qu'on me remette un peu de pâte thermique. Et je sais pas même pas combien de trop ça va me coûter. Enfin voilà, mais en ce moment j'ai trop d'autres choses voilà, en priorité. Voilà, c'est la semaine de l'anniversaire de Liam. Donc j'ai d'autres choses à faire clairement. Là j'ai d'autres soucis aussi avec ma voiture. Enfin voilà. Tout s'enchaîne, tout plante en même temps. J'ai ma machine à café qui m'a lâché aussi. Enfin, voilà, la fin d'année, comme tous les ans, je dirais, il y a toujours des merdes en fin d'année. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, tout d'abord, j'ai acheté du papier cadeau parce que voilà, j'ai des cadeaux bibou à emballer. Donc, j'ai trouvé des papiers cadeaux Tarz. Voilà. Donc j'ai pris deux rouleaux papier cadeau, 15, je crois que c'était 59 centimes, je crois, pièce, je sais plus trop. Ils font du combien 200 par 7,70. Ensuite j'ai pris des petits biscuits apéro comme ça, Happy Mix. Il est vide hein, parce que on a commencé à les manger et là je les ai transvasés dans un bol. Pas en foutre partout, mais ils sont très très bons. Franchement, on les aime bien ceux-ci. Je sais pas si. Je pense pas qu'ils y sont tout le temps, étant donné que c'est couleur de Noël. Hein, mais ils sont très bons. Ensuite, j'ai pris des bougies parce que voilà. Même s'il en aura besoin que d'une, mais bon, il va y avoir plusieurs gâteaux, donc. Mais bon, ça peut toujours servir, hein, des bougies d'anniversaire. Là, maintenant, c'est bon, il y a. Hein. Ensuite, j'ai pris un Père Noël. Voilà, ça c'est pour mon beau-père. Il les collectionne. Donc là, vous en avez plein de différents, avec différents vêtements, avec différents accessoires. Donc voilà, celui-ci, je lui ai à 5,10€, je crois. Vous en avez différentes tailles aussi. Donc moi, j'ai pris la petite taille. Mais voilà, il les collectionne. Et là, vu qu'il me donne à pas mal de coups en ce moment, je les remercierai jamais assez. Donc voilà. Petit cadeau par petit cadeau. Je pense qu'il va être content. Mais voilà. Un petit Papa Noël avec la petite clochette. Ensuite, oh là, j'ai vraiment note. Ensuite, je me suis pris une passoire pliable. Voilà. Parce que c'est souvent que j'ai besoin de ma passoire, mais elle n'est pas lavée. Donc voilà. Ça m'en fera une deuxième. Qui va sûrement finir par être, ne pas être lavée non plus en même temps que l'autre. Et puis j'en aurais besoin. Enfin voilà. Au secours, quand on n'a pas de lave-vaisselle, c'est pas cool. Ensuite, j'ai pris des piles Panasonic. Donc ça, c'est en taille moyenne, c'est les LR14. J'en ai pris de l'autre, celle-ci, normalement. Donc je sais pas si on a déjà utilisé ou pas. Mais voilà, j'en ai pris deux lots comme ça. Parce qu'elles sont à 1€ et des, elles sont vraiment pas chères, les piles à Action. Donc j'en ai pris, j'allais à Action surtout pour ça, là-bas c'est pour les lingettes de bibou, pour les mains et le visage, parce que celles-ci les supportent bien, elles lui font pas de rougeur ou quoi que ce soit. Et voilà, elles sont vraiment pas chères, donc à chaque fois je leur prends celles-ci. Ensuite je me suis pris un baume à lèvres parce que le dernier que j'avais pris à Action c'était une boule. Et quand je l'ai ouvert, et la moitié du produit restait dans le bouchon, donc c'est vraiment pas trop cool. Vraiment pas trop cool. Voilà, je parle encore bien la France. Mais voilà, je m'en suis pris un bâton normal et à la coco, voilà. Parce que bon, moi les baumes à lèvres, là je commence à en utiliser pas mal déjà. Habituellement, j'en mets toujours le matin pendant que je me maquille et j'en mets toujours le soir dès que je suis dans mon lit, j'en mets. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un lot de petits biscuits, voilà, différents parfums, je les explique. C'est en 10 packs individuels, il y a chocolat vanille, double chocolat,
vanille fraise et chocolat banane. Voilà. Des petits paquets de gâteaux. Ensuite, j'ai vu ça dans je ne sais plus quelle vidéo. Je crois que c'était peut-être Hélène LC, je crois. Je ne sais plus. Mais donc voilà. C'est des sprays pour nettoyer les mains. Vu que au boulot je suis un peu en galère pour pouvoir me laver les mains parce qu'il y a une fuite d'eau et je suis obligée de demander au magasin qui m'ouvre la vanne pour pouvoir avoir de l'eau, mais quand il n'y a plus personne en boulangerie, bah, je peux pas avoir d'eau, donc c'est la merde. Et vu que la plupart du temps les gens ils ramènent leurs bouteilles de gaz complètement dégueulasses, bah voilà, dès que je vais au gaz habituellement je me lave les mains après et bah voilà, là, je suis emmerdée, donc je vais voir si ça peut faire l'affaire. Mais bon, voilà, je verrai bien. C'est trop choupinou en plus, donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un monsieur propre nettoyant concentré multi-usage. Voilà, je voulais tester et j'avais quasiment plus de produits pour mes sols, donc je vais tester ça. Voilà, j'ai même pas senti. Ouais, ça sent un peu les toilettes. Brise marine, ouais, c'est pour ça. Mais voilà, je vais tester ça. Ensuite, j'ai pris des piles Panasonic, mais en format R6. Voilà, pareil, parce qu'elles étaient pas chères. Et là, j'en ai une blinde. Et parce que son anniversaire arrivant et Noël arrivant, il va avoir besoin de piles. Voilà. Ensuite, j'ai pris une fleur de douche parce que j'en avais besoin d'une et j'ai voulu tester celle d'Action parce qu'habituellement je les prends à Stocco, mais là je crois qu'elles sont encore moins chères à Action, donc je crois que c'est 45 centimes. Enfin, mais c'est sûr que c'est moins cher, je crois que je les avais à 75 centimes à Stocco, mais je crois que c'est beaucoup moins cher là, donc on va tester celle-ci. Ensuite, je me suis pris un eyeliner. Parfait. Je me suis pris un eyeliner feutre de... C'est même pas un Max & More. Non, ça m'a pas l'air. Mais bon, voilà. Parce que j'en consomme beaucoup et j'en ai marre d'acheter les essences. Parce que... Bah, ça tient pas plus que ça. Enfin, il sèche très 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 vite. Donc, je vais essayer celui-là. Enfin, celui-là, voilà, je vous ai déjà spoil la suite. Parce que j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci de chez Max & More. Mais je me demande si ça va le faire parce que j'ai l'impression que c'est pas du waterproof. Et moi, j'ai les yeux qui pleurent énormément le matin. Donc voilà, la plupart du temps, j'arrive au boulot, mon allaitte, elle est déjà... J'ai vraiment du mal pour parler, hein. Soit elle est disparue, soit elle est fendue, enfin voilà, ou ça a bavé, enfin voilà. Donc je sais pas, mais bon, je vais tester. Donc j'ai ces deux noirs, hein. Je crois qu'ils étaient au même prix. Mais donc je vais tester ça. Et ça serait bien qu'ils tiennent, mais bon, je rêve un petit peu. Mais bon, j'en attends un autre que j'ai commandé sur Ali, je crois. Enfin, via Amazon, mais je pense que ça vient d'Ali. Je verrai bien, mais sinon, il va falloir que je m'en trouve... un waterproof qui marche et qui tienne, parce que voilà, quand vous l'utilisez quoi 5-6 fois et qu'après il est sec, c'est casse-couille quoi. On est d'accord, donc à tester. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Ah, et j'ai commandé ça sur Amazon aussi, bah, pour l'anniversaire du boom, une petite banderole Winnie l'ourson. J'ai commandé aussi des cartons d'invitation, mais ils sont sur ma table. Enfin voilà. Je les ai reçus un peu en retard. Donc je sais pas trop si je vais les envoyer quand même. Mais bon. Bon, voilà, voilà. Mais bon, hein, quand on a trop de choses en tête, bah il y a des trucs qui passent à l'as. Et voilà. Il y a d'autres priorités. Toujours des choses. Et puis voilà. La vie n'est pas simple. Donc voilà pour ça. Pareil, je vous mettrai quand même le prix. Ça coûtait pas très 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 cher ça. Et la dimension, est-ce que j'ai une dimension? Ben non, j'ai pas de dimension. Donc voilà. Désolée.
Je regarderai peut-être sur Amazon s'il y a possibilité d'avoir. Je sais pas combien il y a de fanions en tout. Je sais même pas comment je vais pouvoir le fixer, mais bon. J'ai trouvé ça. C'est Winnie. J'ai pris. J'ai pris des ballons aussi. Ouais. Winnie, bien entendu. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. Et j'espère que j'aurai pu le mettre en ligne. Et je m'excuse encore pour ma tête dégueulasse, mais voilà, je n'ai pas pu sécher mes cheveux étant donné que Bibou dort. Hein. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit. Comme d'hab. Bisous.